Bonjour, bonjour à tous, eh bien bienvenue, nous allons commencer dans quelques minutes. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'on peut avoir un petit message sur le chat pour nous confirmer qu'on m'entend? Ok. Hello, hello. Alors oui, je vois qu'il y a déjà une question. Il y aura un replay qui sera envoyé à toutes les personnes qui se sont inscrites. D'accord, ok, j'ai un petit temps de latence sur le chat. Écoutez, on va commencer pile à l'heure. Donc on va attendre encore quelques participants. Vous êtes déjà 80 en ligne. Merci, merci à vous tous qui êtes là. On est ravis de faire ce deuxième webinaire. Sur les sujets RSE pour ces gosses. Avec la question centrale, où en sont les organisations? Voilà. Alors, encore une petite minute. Et nous allons commencer. Alors, il y aura également, je pense, disponibles les slides qu'on va vous montrer, qui vous seront proposés au téléchargement, je pense, en fin de webinaire. Voilà. Et puis, le baromètre Segos dont on va vous parler, qui sera également disponible, qui sera envoyé dans le mail qui vous donnera le lien vers le replay. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger à cette occasion-là. Alors, un peu plus de 100 personnes sont en ligne et il est 11 h. Mesdames, ça va? Je vous propose de commencer. Alors, bah, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire autour de la responsabilité sociétale des entreprises, où en sont les organisations. Je vais présenter mes collègues. Alors, peut-être d'abord Anne, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, je suis directrice projet en appui conseil sur les questions de financement, de réglementation, de politique publique et de certification et de reconversion pour Segos. Voilà, Anne, c'est la personne que vous voyez à droite sur la slide. Catherine, je te propose de te présenter aussi. Oui, bonjour Catherine Jacquet, je suis directrice de projet sur mesure, voilà, dans l'équipe sur mesure de Segos, qui est une équipe d'une cinquantaine de personnes. Moi, je suis plus spécialisée sur la partie RSE et ça inclut aussi leadership et management. Ok, merci Catherine. Et enfin, moi-même, donc Carole Deschintres, je suis manager de l'offre RSE, c'est-à-dire surtout l'offre sur catalogue de RSE avec une cinquantaine de titres à ce jour qu'on propose. Voilà, alors brièvement, je vous rappelle les points que nous allons aborder ensemble. Donc, on va faire un premier zoom sur le baromètre, les points saillants du baromètre. Qu'on a donc réalisé cette année pour la seconde fois. Ensuite, on va vous parler des signaux qu'on perçoit à la fois lors de nos formations, mais également dans notre veille auprès notamment des opérateurs de compétences. Et enfin, on aura une troisième partie sur le passage à l'action, comment passer à l'action, comment voir où on en est d'un point de vue maturité en RSE et comment, on va dire, passer à la vitesse supérieure. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Webikeo, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons à la fin du webinaire, donc avec des questions qui seront flaguées par Pascal, qui est également là en support et qui va nous flaguer ces questions. Donc, sachez que le webinaire est enregistré et que vous aurez donc un mail qui vous sera envoyé pour accéder au replay. Alors,
On va passer donc à la première partie, le baromètre. Ce baromètre RSE, c'est la deuxième fois qu'on le fait, je le disais. On l'a fait pour une première fois en 2021 avec un périmètre France. Cette fois-ci, on est sur un panel de 8 pays répartis sur l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. Nous avons interrogé 3 800 salariés et plus de 500 directeurs ou responsables RSE. Voilà. Et donc, les points saillants qu'on peut vous décrire. Déjà, d'une part, la RSE est connue, bien sûr, mais pas forcément bien comprise. Donc, on a 73% de gens qui répondent oui à la question « Connaissez-vous la RSE ?» En revanche, 46% quand même ne voient pas précisément de quoi il s'agit. Ça reste une notion qui est un peu floue, dont on ne sait pas forcément définir le périmètre exact. Ensuite, en revanche, elle est considérée comme un enjeu majeur pour 85% des personnes interrogées. Donc là, on est sur le panel salarié. Hein, vous verrez des questions où on a mis en miroir les salariés et les responsables RSE. Là, on est sur les salariés qui sont interrogés. Oui, à 85%, c'est un enjeu majeur. Et également, quelque chose qui est très important à nos yeux, c'est une source de confiance dans l'avenir de l'entreprise. Hein. On a 71% des salariés qui répondent oui à la question « Les engagements de votre entreprise ont-ils un impact sur votre confiance dans son avenir ?» Donc là, on touche bien sûr aux questions de sens de l'entreprise, mais également à la notion de rétention des talents, etc. Alors, sur la question des, toujours sur les, concernant les salariés, la question est, on leur a posé une question pour savoir s'ils étaient plutôt promoteurs, voire militants. Donc, on voit qu'on a une grande partie des salariés qui sont promoteurs, voire militants, 59%. En revanche, on voit 31% d'indifférents. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres questions. On a un gros tiers quand même de personnes qui ne se sentent pas vraiment concernées par le sujet, que ce soit sur leur implication ou sur d'autres questions. On voit un tiers qui, quelque part, fait frein un petit peu à ce sujet-là. Alors, je suis désolée parce que je ne vois pas complètement tout mon écran. Ça va peut-être être mieux comme ça. Je voulais vous parler des chiffres français et malheureusement, je ne les vois pas. De mémoire, les chiffres français sont plutôt plus Oui, il y a polarisés. Un peu moins de promoteurs. Oui, il y a peut-être un peu moins de voilà. Promoteurs. 42% sont promoteurs, 12% militants et encore 15% de sceptiques, en fait. Donc, on voit que la France est un petit peu plus nuancée par rapport à l'international aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Donc, peut-être aussi un lien avec une polarisation un peu plus forte de la société qu'on sait aussi mesurer par ailleurs. C'est bon, j'ai récupéré mon écran complet, je vous prie de m'excuser. Je te laisse la parole pour continuer, oui. Catherine. Alors, sur la suite, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des salariés considèrent quand même, quand on leur pose la question, selon vous, et quel que soit son niveau, cet engagement est-il à la hauteur des grands défis mondiaux actuels? Ça, c'est intéressant par rapport aux grands défis. Ben, en fait, elle peut et elle doit faire plus. On le sait, on le voit, il y a un regain depuis un an d'actualité, puisque la plupart des gens confondant météo et climat se trouvent surpris de voir ce qui se passe, puisqu'enfin, on voit que les projections qu'on avait du GIEC notamment se réalisent un peu plus rapidement que ce qui se passe. Donc du coup, c'est normal qu'une grande partie de la population dans les organisations considère que ben non, à 44%, mon entreprise a conscience de sa responsabilité et environnementale, mais elle pourrait vraiment encore faire plus, voire non, mon entreprise ne semble pas avoir pris toute la mesure
mesure de sa responsabilité. Ça, c'est intéressant et on espère que ce chiffre grandira. On a quand même des personnes qui ne savent pas, donc on est quand même sur un constat positif qui est assez relatif. Si on poursuit sur ce baromètre, on a vraiment le sentiment que le manager devrait jouer un rôle un peu plus important. C'est intéressant de voir que selon les salariés, 44% d'entre eux considèrent que le manager se contente de relayer les informations descendantes. Alors, on ne va pas le blâmer, ce manager. On sait qu'il faut qu'il soit communicant, il faut qu'il soit RH, il faut qu'il relaie, il faut qu'il reporte. Donc forcément, c'est compliqué. La plupart sont donc considérés comme juste des relais passifs. Il y a quand même quelques-uns qui sont acteurs, qui cherchent à faire avancer le sujet et très très peu restent moteurs. On en parlera tout à l'heure dans la seconde partie. C'est quelque chose qui ne nous a pas surpris. À ce stade d'évolution, c'est sûrement embêtant, mais ça ne nous surprend pas. Si on poursuit encore dans ce que nous dit le baromètre, c'est que quand on pose la question aux responsables RSE et aux salariés, les salariés, connaissez-vous des formations proposées par votre entreprise en matière RSE ? La plupart ne savent pas, en fait. Il y a très peu, à peu près 38%, qui savent plus ou moins s'il y en a une ou plusieurs. Alors qu'en face, les responsables RSE nous affirment que, si, je vous assure, il existe des formations, 82% au global, contre seulement, malgré tout, 74% d'entre eux. Donc, il y a quand même un écart qui serait intéressant à creuser. Cet écart, c'est est-ce que ça dialogue ? Est-ce que les professionnels de la formation en interne ont la main pour pouvoir accompagner justement les responsables de la RSE sur le déploiement de ces formations ? Là, on peut avoir une question et on peut avoir un doute aussi. Si on poursuit encore sur cette fois-ci les projets de formation, quand il existe des formations en projet pour l'entreprise, quelles sont les thématiques ? Alors là, les responsables RSE nous disent, c'est assez bien réparti. En France, on voit que, et ça c'est normal, hein, depuis, on est contraint du reporting avec la DPEF, la loi NRE depuis 2001, il y a ce reporting qui se renforce au fur et à mesure du temps, donc on forme davantage sur la maîtrise de ce reporting des indicateurs. Au moins, ils ont réussi à pousser ça, former les gens au reporting, former les gens à ces indicateurs-là. Mais on voit qu'il y a quand même un prisme sociétal important entre la prévention des risques psychosociaux qui s'est renforcé notamment depuis le Covid, et puis cette éthique dans la conduite des affaires qui, elle, également progresse de façon intéressante. Voilà pour cet aspect-là. On peut poursuivre sur... comprendre les... Voilà, je te laisse la parole. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro, on va y arriver. Donc, ce que je voulais dire, c'est que sur l'aspect de l'accompagnement qu'on peut faire, nous, sur les stagiaires, on remarque souvent une démarche qui est assez débutante. Alors, on a l'impulsion de la direction qui est souvent présente. Il y a néanmoins souvent plutôt des initiatives isolées qui manquent de liens entre elles, qui manquent de sens donné. Et donc, c'est tout l'enjeu de nos stagiaires, notamment sur le cycle, d'aller mettre du sens là-dedans, mettre une stratégie réelle sur cette démarche débutante, l'allier aussi avec l'objet, la raison sociale de l'entreprise, pour que finalement, tout cela forme un ensemble cohérent. Néanmoins, on a, malgré l'impulsion de la direction, des directions qui sont quelquefois un peu frileuses pour aller au-delà de l'interne. C'est-à-dire que la consultation des parties prenantes, elle se fait via les clients internes et pas toujours en allant au contact. Alors, c'est dommage parce qu'on se prive d'une certaine richesse pour faire ça. Alors, on voit aussi qu'il y a beaucoup de demandes qui rentrent par les métiers contraints. Alors, quels métiers contraints ? Bien sûr, il y a les achats, il y a
la communication également. Il y a par exemple la logistique également hein, qui est très impactée par ces sujets-là. Et puis de plus en plus, on voit apparaître un nouveau métier qui est impacté, qui est le métier du reporting avec la sphère financière qui commence à être très impliquée dans ce domaine. On l'a vu à ProDurable, par exemple, il y avait énormément d'interventions sur ce sujet-là. Est-ce que tu veux compléter, Catherine, peut-être sur les demandes qu'on reçoit en sur-mesure ? Oui, alors les demandes en sur-mesure, c'est intéressant parce que en fait, c'est très hétéroclite. On nous demande, en règle générale, d'accélérer sur des bouts. On reviendra un petit peu. On se rend compte que, voilà, en sur-mesure, la plupart des entreprises se bougent. Quand elles sont contraintes, pas forcément parce qu'elles ont une vision. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu complexe à adresser, parce qu'en sur-mesure, ce qui est intéressant, c'est quand même d'accompagner de manière un peu plus globale et systémique. Donc on a souvent des demandes un peu isolées. Parfois des initiatives isolées aussi, avec des demandes en plus de plus en plus réduites. Par moment, on nous demande en gros de comprendre tous les enjeux de la RSE avec un webinaire et puis pourquoi pas un e-learning. C'est intéressant, ça traduit aussi souvent la logique de la maturité. Alors, on comprend qu'il faut réduire, on comprend que ça coûte, mais vu les enjeux qu'il y a en face, par moment, c'est peut être un peu questionnant. Et c'est vrai qu'on commence cependant à avoir des demandes assez intéressantes, notamment accélérer la prise de compréhension d'acteurs clés, comme par exemple les CODIR. Des CODIR qui peuvent être parfois tellement hétéroclites aussi, avec des niveaux différents, que des demandes très pointues, très, très, très condensées, mais à bon niveau, avec des logiques immersives pour vraiment leur faire prendre conscience c'est quoi l'évolution actuelle de la RSE. Parce qu'on a aussi des pure players qui ont dépassé cette notion de RSE, qui sont sur des notions d'impact, qui sont sur des notions de B Corp, qui sont sur des notions très larges, mais on a quand même tout un panel et c'est là qu'on est intéressant pour démocratiser cette approche, pour arriver vers des demandes qui soient un petit peu plus globales. Mais on en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc on a quand même, ça reste très hétéroclite, ça reste parfois, à mon sens, pas forcément toujours au niveau des enjeux, et puis on peut parfois voir qu'il manque un dialogue entre les responsables RSE et les responsables formation. On pense que quand les demandes sont bien travaillées ensemble, là c'est pertinent. Quand c'est trop isolé, parfois il y a des écarts qui font que ça pénalise aussi les organisations. Pour les parties sur mesure. Ok, on va passer la parole à Anne pour parler de notre lien avec les opérateurs de compétences, entre autres. Alors je te laisse la main sur la slide suivante. Merci, Carole. Alors oui, on parlait de contraintes parfois financières hein, aussi pour embarquer ces sujets-là. Il faut savoir qu'il y a des lignes financières, notamment le FNE, mais en termes d'investissement, le gouvernement et l'Europe mettent des financements. On voit que sur l'industrie, le projet Transition Industrie embarque 75 milliards d'euros sur 3 ans pour accompagner les entreprises dans leur mutation, qu'elles soient technologiques, mais aussi, et beaucoup, environnementales, écologiques, moins RSE dans sa dimension sociale, malheureusement. On voit qu'en effet, la transition écologique a pris sur les financements, a pris le pas sur une approche RSE qui va peut-être expliciter ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, le FNE 2023, qui est un fonds qui est accessible à toutes les entreprises, qui est accessible à tous les salariés, sauf ceux qui sont en alternance, qui bénéficient déjà de financement public et qui sont drivés par les opérateurs de compétences, les OPCO. Il y en a 11. On vous a mis le site Segos où vous avez une page entière sur le FNE et tous les liens avec tous les OPCO sur lesquels vous allez flécher sur les financements qui sont disponibles. Merci Carole. Donc, 4 axes de financement, dont un qui nous intéresse évidemment plus particulièrement, transition numérique, écologique, transition alimentaire agricole, où on va aussi embarquer tous les projets vers une alimentation saine et durable, et aussi des projets de biodiversité, donc qui sont un petit peu embarqués sur cet axe-là, et les grands événements sportifs, où là on n'est pas du tout, on peut avoir des axes de transition écologique dans le sens où faire attention à ces déchets, etc., mais qui sont un petit peu particuliers et qu'on ne va pas voir là pour l'instant.
Donc, sur la slide suivante, quels sont les objectifs de cet axe de transition écologique? Ben, c'est permettre aux entreprises d'adapter leur activité en fonction de la transition écologique et évidemment aussi de la transition énergétique, puisque ce sont deux sujets particulièrement sensibles et qui sont devenus encore plus sensibles avec la guerre en Ukraine et toutes les impacts que nous avons sur les ressources fossiles. Donc, c'est comment on sort de cette dépendance et de cette facture énergétique de plus en plus importante pour les entreprises. Et par conséquent, on embarque tous les sujets de formation qui peuvent aider à gérer les meilleures ressources les meilleures ressources aussi une optimisation des ressources énergétiques. Donc, réduire l'empreinte carbone, bien évidemment. Donc, on revient au stage et aux propositions que fait Carole sur ces sujets-là. On embarquera aussi dans ces axes de formation financés la conduite de projet, puisqu'on sait bien qu'il faut être en mesure d'accompagner les changements dans les entreprises et être en mesure de conduire ces projets qui sont quand même plutôt transversaux, enfin qui doivent l'être, qui embarquent plusieurs fonctions et qui par conséquent nécessitent un outillage des salariés un peu plus important. On a cinq opcos, qui bénéficient qui ont particulièrement embarqué les enjeux RSE et la feuille de route RSE, partant du principe qu'il fallait travailler à la fois sur la qualité de vie au travail, l'inclusion, au même titre que l'on travaillait sur le respect des ressources, et il fallait aussi travailler sur le respect des ressources humaines. Ils sont cinq. Les autres ont vraiment prioritairement suivi à la lettre, je dirais, les choix de la DGEFP, à savoir la transition écologique plus particulièrement. Alors, juste, je me suis permise de vous mettre deux slides sur une étude prospective de l'Observatoire de l'Industrie qui rejoint les propos de Carole et de Catherine précédents, où on voit que l'industrie a embarqué dans ces enjeux de la transition écologique six axes prioritaires, que sur ces six axes prioritaires, le constat est fait qu'il y a des difficultés d'identification dans les entreprises, des enjeux de transition écologique, des réponses à y apporter, des besoins en formation et de l'offre de formation existante ou à construire, ce qui corrobore les constats que nous partageait précédemment Catherine. Ce constat est également partagé par d'autres secteurs qui ont aussi mené des études prospectives sur ces sujets-là, la construction, entre autres, l'agroalimentaire qui participe de ces enjeux de transition écologique au même titre que l'industrie. Donc, je vous incite à aller voir ces études des observatoires prospectifs qui peuvent aussi vous donner de la matière en termes de prospectives, métiers, emplois et compétences. Et sur la slide suivante, Carole, une petite slide pour vous montrer les impacts qui ont été traduit par cette étude sur les différentes fonctions, où on voit qu'en effet la fonction logistique et évidemment gestion des déchets est une fonction qui va être plus particulièrement impactée dans les prochaines années sur cette problématique de transition écologique qu'il va falloir qu'elle embarque au travers de modes d'organisation différents, de process et donc aussi de développement de nouvelles compétences. On voit aussi derrière la fonction achat qui est très très fortement impactée aussi sur ces sujets-là, la recherche et développement puisqu'évidemment il faut innover en termes de process et innover en termes de prestations, soit de services, soit de nouveaux produits. Les méthodes, évidemment, d'industrialisation sont embarquées, la fabrication derrière. Et on voit pour la transition écologique de l'industrie que le marketing, la vente, l'installation, la maintenance,
Et la gestion, les finances sont des impacts un peu moins forts, toute proportion gardée par rapport aux 5 premiers items. Donc, on voit bien qu'il y a des priorités à 3-5 ans qui sont fixées au travers de cette étude prospective sur, évidemment, l'évolution des process, le travail avec les fournisseurs, la communication client, le positionnement sur de nouveaux produits, nouveaux services, l'évolution de la logistique, la sensibilisation aussi des salariés sur toutes ces questions-là, parce qu'il faut les embarquer, et la formation qui est passée de peu prioritaire, qui touchait 10% du public qui a été, interviewé, à 20%, donc qui est un peu plus prioritaire, mais qui reste encore un peu à la marge. Malheureusement, on commence d'abord par l'investissement matériel, process, organisation, et ensuite, on investit sur la compétence. Alors, merci Anne. On va passer à la troisième partie, comment passer à l'action. Et je te rends la main, Catherine. Merci beaucoup. Alors, merci Anne. Enfin, je trouve ça absolument passionnant parce qu'en fait, on est vraiment dans le cœur du réacteur là, et ça traduit aussi le degré de maturité. Le degré de maturité, on vient de le voir, en fait, il est à plusieurs niveaux. Pour nous, le point névralgique, c'est vraiment pour accélérer collectivement cette maturité par rapport à l'enjeu de développement durable, de transition écologique, énergétique, de transition des pratiques aussi sociales, d'éthique. Il se situe au-delà de ce qu'on peut considérer comme, voilà, on a des initiatives isolées, souvent portées par la RSE ou par un métier, ok, très bien. C'est pas encore systémique. On s'engage et on structure une démarche RSE, bien évidemment, quand on y est contraint, en plus, c'est facile. Quand on n'y est pas contraint et qu'on essaye d'accélérer, c'est beaucoup plus rare. À un moment donné, en fait, ce qui est intéressant, c'est de rentrer sur des démarches globales qui intègrent les métiers et le management. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vient de démontrer notamment le dernier slide, Anne, c'est que tant que le management sera intégré dans la pratique RH, on aura un souci. Les RH aident au développement de tous les métiers, dont le management, mais tous les métiers doivent à un moment donné comprendre que le management, c'est de leur ressort. Donc, le management qui n'est pas embarqué, on ne peut pas avoir une transformation plus durable des business models qui intègrent cette durabilité au sens large. Donc là, on voit bien que la maturité, elle est souvent corrélée à quelque chose qui est du domaine de l'impact. J'aurais envie de dire que ceux qui sont vraiment dans ces transformations de business model sont déjà sur une autre sémantique. Ils sont déjà sur la question d'impact. La RSE, chez les pure players, est une terminologie presque qui est, je ne vais pas dire dépassée parce que ce serait pas juste, mais en fait, à un moment donné, on voit que la maturité va au-delà quand on est dans cette notion d'impact qu'on va retrouver en plus dans cette double matérialité qui va être impulsée par la CSRD, qui est vraiment quel est mon impact, l'impact de mon métier, de mon organisation sur le développement durable au sens large, et quel est l'impact du développement durable et de toute cette accélération sur mon activité. Et ça va être assez frénétique, parce que je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a plus de 300 indicateurs qui vont être intégrés. Donc, ceux qui ont déjà été dans un engagement et une démarche globale vont pouvoir aller plus vite que les autres. Ceux qui sont en retard vont souffrir. Et c'est là qu'il faut vraiment avancer collégialement et se dire qu'il y a plusieurs niveaux qui doivent être mobilisés très rapidement. Si on va sur la slide suivante, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il faut combiner aujourd'hui plusieurs modalités pour cette accélération. Le cœur de tout, on le sait dans nos organisations, c'est quand les directions, notamment les CODIR, les COMEX, sont engagées. Embarquer les directions, ça, c'est, on l'a de plus en plus sur des demandes en intra, et tant mieux, c'est vraiment leur permettre d'avoir une lecture partagée de la situation, parce que le problème qu'on peut avoir, c'est que on a des personnes qui sont de bon niveau, qui comprennent tous les enjeux, mais le réintégrer dans son métier quand on a plein d'enjeux de rentabilité, de transformation, d'adaptation, parce qu'il y a des contraintes nouvelles de la concurrence, c'est déjà un challenge en soi. Mais quand en plus on voit arriver cette problématique RSE qui vient nous mettre face à une forme d'incompétence, plus le niveau est élevé, plus c'est difficile d'assumer qu'on n'est pas compétent temporairement sur ce sujet-là. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir partager une lecture de ces enjeux-là avec humilité,
l'humilité. Hein, on sait aujourd'hui que l'humilité, c'est quand même le nerf du leadership. Se projeter, réussir à s'ouvrir aux parties prenantes et s'ouvrir à l'extérieur jusqu'à des scopes 3. Et ça, c'est compliqué quand il faut analyser son prisme, parce que souvent, le scope 3, quand on doit analyser son impact en termes carbone, bah, c'est compliqué d'aller chercher son prestataire de dernier niveau. Sauf qu'on se souvient tous du Rana Plaza et qu'à un moment donné, quand on trouve une étiquette aussi dans les décombres de l'immeuble d'une marque française, là, ça pose problème. Et ça va jusqu'à être sur la construction de nouveaux récits. Et les nouveaux récits peuvent être portés par les directions. De l'autre côté, on voit se développer les compétences métiers au-delà des contraintes réglementaires. Alors, c'est un gros driver, hein, la contrainte réglementaire, mais au-delà, pouvoir anticiper. Ça, c'est intéressant de se dire, la RSE est intégrée dans mon modèle, de plus en plus, elle va l'être. On a un nouveau récit collectif qui vient de se poser. Ça pourrait être intéressant de se dire, qu'est-ce que je vais avoir, de quoi je vais avoir besoin en main avec les OPCO, en main avec les autres acteurs du métier. Ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il peut y avoir aussi de la collégialité pour faire des accélérations. Bien évidemment, si on revient sensibiliser massivement, il y a eu une approche de sensibilisation un peu massive ces derniers temps, mais qui se calme un petit peu. On a l'impression que c'est compliqué de sensibiliser massivement. Et je pense que sensibiliser massivement les collaborateurs est une utopie si on n'a pas prioritairement formé les managers et embarqué la direction. Donc, on voit que d'une manière générale, l'idéal, ce serait de pouvoir faire la totalité, mais en fait, on se rend compte que c'est très rare. Hein. Quand on veut sensibiliser massivement les collaborateurs, bah forcément, ça a un coût, c'est compliqué. On va aller chercher des formats courts, sauf que ceux qui réussissent le mieux, bien évidemment, sont ceux qui ont pu structurer des ambassadeurs, des relais, qui sont même aussi un bon dialogue social avec un CSE proactif qui peut être aussi un acteur complémentaire intéressant. Bref, de l'intelligence collective. On sent vraiment que intelligence collective et accélération de la transition écologique, ça va de pair, ça va de pair. C'est fondamental. On voit qu'on anime parfois des workshops super intéressants en mode transversal où on utilise l'intelligence collective au service de cette accélération. Le management, on a de toute façon de plus en plus de nouveaux modèles managériaux qui arrivent, plus collaboratifs, plus subsidiaires. On sait que y a eu un écueil avec cette entreprise libérée qui n'a pas forcément pris. On aimait bien intellectuellement ces modèles-là, mais dans la réalité, c'est compliqué, surtout quand on a une crise qui vous tombe dessus. Par contre, on voit qu'il y a de nouvelles formes de leadership qui sont attendues, plus inclusifs, mais pas inclusifs sur le papier, inclusifs dans la pratique. Hein. On sait qu'on quitte une entreprise parce que le manager n'est pas au bon niveau. On y reste parce qu'on nous écoute et je viens comme je suis. Plus responsable aussi, et responsable, c'est pas que trier les gobelets, c'est aussi en responsabilité se dire « j'ai un impact et quel est mon impact ?» On voit encore très très peu des choses un peu originales se faire, c'est le centre là de la slide. Certaines entreprises, j'ai un modèle en tête de gros assureurs français qui le fait, qui incentive l'action de formation à RSE avec un pourcentage de variable indexé sur la participation à des formations. On pourrait imaginer que cette indexation sur des formations vraiment stratégiques pour l'entreprise pourrait être quelque chose d'intéressant, notamment pour mobiliser les managers. Carole, je ne sais pas si tu veux compléter sur certains aspects à ce niveau-là. Alors, je réactive mon micro cette fois. Oui, je pense que tu l'as dit précédemment, mais il me paraît nécessaire d'insister sur le fait que même pour définir ces modalités, le travail collectif est essentiel. Ce qu'on voit qui fonctionne le mieux, c'est quand on arrive à avoir le triptyque qui se met d'accord. Alors, le triptyque, c'est la RSE. Le métier de la formation, les RH, et puis les métiers concernés quand il s'agit de former les métiers. Donc, bien réfléchir à l'ensemble des trois pour avoir finalement toutes les compétences autour de la table pour définir ce qui est pertinent pour moi, pour mon entreprise à ce moment-là. Voilà, ça me paraît très, 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 très important. Je passe à la dernière slide, je crois. Oui, avant les questions. Merci beaucoup. Avant les questions, je voulais réinvestir quand même le champ du management parce que ça me tient à cœur. Et je pense vraiment que c'est le point névralgique. Comme je disais au démarrage, on ne peut pas blâmer non plus les managers. Ils sont vraiment dans des injonctions contradictoires entre ce que la société attend et ce que le modèle d'organisation attend, toujours de plus en plus de reporting et de contraintes, et ce que les collaborateurs attendent de leur manager.
On est encore depuis 150 ans que les modèles managériaux ont été canalisés, écrits. On n'a pas beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux très intéressants. Ça n'a pas vraiment évolué. On reste malgré tout dans cette logique très descendante et les logiques par cercle, les logiques plus horizontales ont quand même du mal à émerger. Et je pense que c'est assez dramatique par rapport à une problématique d'urgence et les challenges qu'on voit d'ici 2030. 2030 tout simplement parce que c'est là que les ODD aboutiront. Les ODD de l'ONU. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le challenge, on attend des modèles économiques qui sont plus durables, intégrés, quand la stratégie RSE est vraiment au service d'une performance globale. Ça, c'est intéressant. Ça nécessite une adaptation de l'organisation. Ça nécessite de faire évoluer les métiers et les compétences, tout en ayant aussi quelque chose d'extrêmement important, diversité, inclusion, qualité de vie, qui maintiennent l'engagement. Parce qu'on voit, on nous parle beaucoup des nouvelles générations, je ne fais pas partie de la nouvelle génération, mais dans mon mode de fonctionnement, je me considère au même titre que les nouvelles générations, être en droit, à un moment donné, de vouloir un équilibre réel, tangible et concret, du respect, ne pas être obligé de passer par X strates hiérarchiques, parce que je pense que les problématiques d'organisation, de process et de respect de la hiérarchie sont moins importantes que le réussir d'un point de vue collectif ce challenge de la transition écologique. Donc c'est vrai qu'on a des convictions par rapport à ce rôle, c'est que la culture managériale, elle est centrale, la questionner, faire des référentiels, c'est intéressant, mais dans la plupart des référentiels, la question de la RSE, de mon engagement, de mes convictions, n'est pas forcément toujours très précisée. Le climat, la transition au cœur de la responsabilité managériale, ça c'est difficile à mettre en place, parce que si je n'ai pas le niveau pour le comprendre, c'est pareil, c'est comment je peux accélérer cette perte en connaissance. J'aurais dû être formée plus tôt. Aujourd'hui, il y a une accélération. Il faut investir. C'est fondamental. Comprendre quand je suis manager que météo et climat, c'est pas la même chose et que sortir des banalités à mon niveau de responsabilité, c'est pas normal. Avoir aussi une conscience des enjeux dans son métier, c'est passionnant. Dans mon métier, dans mon métier autour de la formation et du conseil, on se déplace moins. On essaye de faire attention dans mon périmètre, peut-être à utiliser plus de transports en commun quand je peux le faire. Tout ce qui est pièces très lourdes, se dire je vais les supprimer régulièrement, co-concevoir aussi nos présentations pour qu'elles aient moins de poids. On peut agir à tous les niveaux. Et puis, quelque chose d'extrêmement important, vraiment, je l'ai dit depuis le début, upskiller, reskiller son équipe. Un manager doit avoir conscience de ça. C'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait être reskiller, upskiller. C'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas bon, mais peut-être que je peux lui donner la chance de bifurquer légèrement pour se renforcer et puis surtout veiller à être au bon niveau de compétence. Et ce n'est pas parce que je suis en retard, moi, qu'il ne faut pas permettre à mon équipe de combler ce retard. Peut-être qu'ils seront meilleurs que moi. Et dans les nouvelles formes de management, avoir quelqu'un qui est meilleur que soi dans son équipe, ce n'est pas un danger, c'est juste une ouverture vers une forme de leadership partagée, responsable, qu'on attend aujourd'hui si vous voulez garder les jeunes, notamment. Voilà, Carole, je te repasse la main. Merci Catherine. Alors pour terminer, on va pas vous détailler nos 50 formations. On a également pour mémoire deux formations diplômantes, l'une un master qu'on a avec les mines sur le développement durable proprement dit, également un diplôme qu'on développe avec Centrale sur le management des marchés d'énergie. Vous avez après les thèmes finalement des formations qu'on vous propose à la fois pour les responsables RSE, pour les métiers et après de façon peut-être un peu plus pointue, parce qu'aujourd'hui on commence à avoir des gens en RSE qui doivent être pointus. Il ne s'agit plus d'avoir que des généralistes de la RSE, il s'agit aussi d'avoir des spécialistes de l'empreinte carbone, des spécialistes des impacts sociaux par exemple. Et donc on a également, on va dire, des par thématiques, des sujets un petit peu plus pointus. Je vous propose, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de questions, donc je vous propose de passer tout de suite aux questions. Alors, je crois que Pascal nous en a sélectionné un certain nombre. Et je vais commencer par une qui me plaît bien, de Sylvain. Que proposez-vous, conseillez-vous à un chef d'une petite entreprise de 20 salariés n'ayant pas de ressources, tels que responsable formation et encore moins un responsable RSE? Par où démarrer une démarche RSE? Est-ce que tu veux répondre à cette question, Catherine, ou...
Les TPE, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a quand même la logique de rentabilité. Souvent, on est vraiment sur des modalités où beaucoup de personnes font, enfin très peu de personnes font beaucoup de choses à la fois. En fait, c'est simple dans une TPE. Et j'ai passé une partie de ma vie dans une petite PME on a varié entre 20 et 50 personnes. En fait, c'est comme toujours, ça dépend aussi de la conviction et des logiques d'opportunité. Très souvent, ce qui peut être intéressant, c'est de questionner. On fait tous des séminaires, même dans les petites structures, de pouvoir avoir un séminaire stratégique sur cette question-là, un petit peu de formation et qu'est-ce qui serait intéressant dans nos métiers. Et on peut être surpris de se dire que à tous les niveaux de l'entreprise, il peut y avoir aussi des propositions intéressantes qui peuvent émaner. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais plus on l'opérationnalise, plus elle est intéressante, la démarche RSE dans les entreprises. Ça peut passer par de la simple labellisation, de la certification qui peut coûter un petit peu cher. Ça peut être tout simplement aller chercher le référentiel qui n'est, enfin c'est une norme, mais c'est pas une norme obligatoire, l'ISO 26000, et se questionner en tant que TPE, qu'est-ce qu'on trouverait intéressant. Aller voir aussi sur la partie plus QVT, il y a des ARACT locales qui peuvent être aussi de bons accompagnants sur la partie sociale. Aller voir, comme l'a dit Anne, les OPCO qui peuvent avoir parfois des chargés de mission qui peuvent vous aider sur des choses ponctuelles. Et puis à un moment donné, identifier des formations. Il y a des formations, on peut même former une personne en particulier en inter sur des choses très précises. Il y a des formats très courts, mais il y a des formats plus longs, plus étendus dans le temps, qui peuvent être financés, qui peuvent être intéressants. Je pense qu'en fait, il faut être malin et saisir ça comme une opportunité pour continuer ce droit à opérer. Donc pour moi, c'est pas incompréhensible, c'est juste qu'on est tellement formaté par une approche très institutionnalisée de la RSE, du fait des grosses organisations, qu'à un moment donné, cette souplesse dans les TPE ou les PME peut être intéressante pour créer quelque chose à son image. Moi, j'ai souvenir de personnes qui ont bifurqué sur des postes de responsables RSE, un peu en mode panique en disant « mais je… » Et en fait, qui au bout d'un an étaient excellents, avaient carrément construit quelque chose vraiment à la main de l'entreprise et qui venaient piocher un peu chez nous, un peu ailleurs, comment construire quelque chose de plus structurant pour faire évoluer l'entreprise. Je crois beaucoup à ça aussi. Je vais rajouter un point. Moi, je pense que le référentiel des ODD pour les petites structures, il est très éclairant. Il parle à tout le monde. Il est simple. Et il peut donner finalement des idées très opérationnelles sur finalement à la fois quelle est notre stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire pour l'environnement, pour notre en tant que rôle sociétal, pour notre entreprise en tant que objet social également. Je pense que vous pouvez déjà aller piocher aussi là-dedans pour voir finalement qu'est-ce qui résonne le plus par rapport à votre activité, avec toujours ce fameux souci de cohérence. Oui, je suis d'accord. Ça paraît éloigné, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent les objectifs du développement durable de l'ONU, les 17 objectifs, comme point de repère, en fait. Parce que, bien évidemment, lutter contre la pauvreté, mais lutter contre la pauvreté, ça peut être pertinent aussi, même à son échelon local. On a tendance à croire que c'est pour les pays en développement, mais non, tous les pays sont concernés. Et quand on a des bassins d'emploi extrêmement pauvres, se dire contribuer dans le nord, je vais citer ma région d'origine, dans le nord de la Côte d'Or, l'air de rien, on peut avoir quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que moi, je dirais l'ISO 26000 est intéressant. On a aussi les fameuses méta-compétences Didier Mulnay sur la partie management qui peut être intéressant, les ODD, et puis il y a des labels assez simples. Mais même aller regarder ce que fait Bicorp au niveau international, en fait, il y a toute une série de référentiels qui peut être intéressant sans rentrer dans une démarche Bicorp parce que c'est extrêmement large et ça permet de guider. Moi, je vous conseille d'aller piocher parce que le référentiel unique n'existe pas. Par contre, aller piocher, il y a tellement d'initiatives, le label Lucie aussi, aller piocher toutes ces initiatives pour construire votre propre cadre peut être intéressant, original, innovant, à une époque où on a tellement accéléré qu'il y a, voilà. Et juste pour répondre à une réponse que je vois passer là un peu dans le chat, à qui doit être rattaché le responsable RSE, plus c'est proche de la… Alors c'est un parti pris, plus c'est proche de la direction, de la stratégie, et plus il y a une capacité à être autonome, mieux c'est. Donc tout va dépendre de la configuration de l'organisation. Si c'est la communication, parce que la communication est très stratégique dans cette organisation, tant mieux. Si c'est les RH, tant mieux. Aujourd'hui, on a même des postes très autonomes à côté de la direction qui sont vraiment très autonomes, et ça, je trouve ça intéressant. Il y a plein de libellés nouveaux, responsables de l'impact, en charge des droits humains, responsable de, enfin voilà, des choses extrêmement précises. Plus c'est
proche de la stratégie et autonome, mieux c'est. Merci pour ces précisions, Catherine. Alors, je lis aussi une remarque, question. Un modèle économique plus durable dans un monde qui reste consumériste. Le décalage est énorme entre les intentions et le mode de vie au quotidien. L'entreprise peut-elle seule rééduquer le citoyen ? J'ai noté cette question parce que je me suis dit, on peut peut-être l'inverser. Est-ce que le citoyen, le personnel dans l'entreprise peut rééduquer son entreprise ? En fait, je pense que sur ce sujet-là, il y a quand même un point qui est très particulier, c'est qu'il y a des gens qui sont hyper engagés dans l'entreprise, 15% de militants. Et donc, vraiment, pour moi, cette force-là, c'est aussi le rôle des responsables RSE, le rôle des RH, de l'accompagner, de la développer, de lui donner des moyens pour qu'elle infuse sa pratique dans l'entreprise. Et ça, c'est super important. On voit qu'il y a des communautés de pratique qui se développent, on voit qu'il y a des réseaux d'ambassadeurs qui se développent. Peut-être c'est l'une des voies. Il ne faut pas juste se dire c'est l'entreprise qui va amener tout à ses salariés. Peut-être que les salariés eux-mêmes peuvent amener des choses à l'entreprise. C'est une conviction personnelle très forte. Non, et on peut peut-être dire quelque chose. En fait, Carole et moi sommes arrivées toutes les deux il y a 2 ans. Et à notre arrivée, de façon collégiale, on a créé une communauté de pratique qui se réunit tous les 15 jours et qui a vraiment fait un travail de fond en lien avec les ambassadeurs. Et je pense que la méthode des communautés de pratique, mais qui dure et qui est bien animée, peut être quelque chose d'intéressant parce qu'après, ça diffuse. Et quand à un moment donné, on vous court derrière parce que en fait, vous avez pris de l'avance, ça, c'est un bon signe. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe chez nous, mais globalement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi ailleurs à l'époque où j'étais plutôt dans la partie conseil, ça fonctionne bien. Et dire aussi qu'il y a aussi un courant des entreprises citoyennes. Et en fait, se dire entreprise citoyenne est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut aller sur des parties plus frugales, ça veut dire que voilà, transformer son modèle économique, on sait qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont d'extrêmement bon niveau. La Camif, par exemple, fait partie des entreprises qui auraient pu péricliter, mais elle a été reprise et elle a été réactivée. C'est une entreprise à mission. Les entreprises à mission sont aussi un collectif d'entreprises citoyennes qui font des choix stratégiques avec des orientations où on peut aussi décider de produire moins, produire plus local, réduire son offre. Donc après, c'est aussi une question quasiment politique, en fait, cette question de la notion d'entreprise citoyenne. Voilà, c'est quelque chose d'important, à mon sens, en complément de ce que vient de dire Carole. Il y avait une question sur le FNE, Anne, je vais peut-être te rendre la main. Quid du FNE pour les organismes publics ? Pas de bol. Pas de financement pour les entreprises qui bénéficient déjà du financement public. Ce sont prioritairement toutes les entreprises, mais du secteur public, privé ou associatif ayant une activité économique. On pourra vous laisser les types d'entreprises qui peuvent bénéficier, mais pas le public. Alors, juste pour information, vous avez des financements qui vont de 50 à 70 % des coûts de formation. Donc, je trouve que pour c'est peut-être le moment de vous poser les bonnes questions comment lancer la formation d'une part et la faire financer partiellement, voire presque totalement, puisque certains OPCO prennent aussi les salaires des stagiaires en formation aussi en charge, voire aussi l'hébergement, restauration, déplacement si vous venez faire une formation dans un centre qui est un petit peu éloigné de votre entreprise. Donc les financements sont quand même assez intéressants. Merci Anne. Alors, il y a des questions autour des labels. Oui, et puis j'ai vu des questions aussi autour du social et indicateur. Vas-y. RH et handicap. Juste pour dire, excuse-moi, oui. Mais en fait, c'est vrai que je ne suis pas forcément une experte de ces points-là, notamment la partie RSE et handicap, mais bien évidemment, il y a des choses qui ont été faites dans les associations. Il faut aller regarder parce qu'en fait, elles ont beaucoup progressé. Le milieu associatif, un peu militant, est extrêmement bon. Il y a des entreprises aussi qui sont très bonnes sur les aidants. Donc, le binôme, forcément, est très intéressant. Je vous invite à regarder ce que fait Ager, l'entreprise
du nord de, nord-est de la France, sur ces parties-là. Il y a des référentiels qui existent aussi du côté de aller regarder les travaux de l'or. Sur ces sujets-là, la NDRH avait aussi publié des indicateurs intéressants sur la partie RH. Allez piocher, parce qu'en fait, il y a une littérature assez importante, mais je continue vraiment à croire qu'il y a ce qu'on nous prescrit. Il y a beaucoup plus, de plus en plus de monde qui prescrit des choses. À un moment donné, il faut aller mettre le nez dedans et aller sortir, oser sortir ses propres indicateurs au regard de son entreprise, de sa maturité, et toujours, toujours, toujours poser des convictions. En fait, il n'y a pas de vérité aujourd'hui. La seule vérité, c'est vos convictions, votre capacité de convaincre avec plusieurs alternatives, le plus idéal jusqu'au plus pragmatique. Ça, pour moi, c'est fondamental. Mais sur la partie RSE et handicap, bien évidemment, ça rentre dans le champ complet de l'inclusion. Jusqu'à voilà, l'inclusion, aujourd'hui, on était sur les questions de hommes-femmes, c'est un peu dépassé. On est plutôt sur le sujet plus global, intégrant LGBT, plus Q+. On est aussi sur la question forcément du handicap, mais aussi des aidants familiaux, voire de la diversité neuronale aussi. C'est quelque chose, les 10 qui sont très importants. Donc, on est sur quelque chose aujourd'hui de très ouvert. Allez regarder ce que font les associations là-dessus pour construire vos propres indicateurs. Merci, Catherine. Alors, du coup, je reviens sur les labels, certifications, etc. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se retrouver dans cette jungle des labels. Eh bien, je vais revenir sur ce que vient de dire Catherine. Je pense qu'il faut choisir le label qui vous correspond le mieux. Et pour ça, effectivement, il faut aller creuser un petit peu quel label va vous orienter vers quoi. Alors, pour une PME, il y a évidemment PME+, qui est vraiment très orienté autour des PME. Mais comme disait Catherine précédemment, un label Lucie, un EcoCert peut aussi être un label intéressant. Alors, en termes de certification proprement dit, donc l'ISO 26000, techniquement, n'est pas certifiable comme peut l'être l'ISO 9001. On parle plutôt de label que de certification, puisqu'il y a une multitude de labels. Donc voilà pour vous répondre. Et donc je vous invite à aller jeter un œil sur les principaux labels, effectivement, qui peuvent être un peu confus au démarrage, mais voilà, il faut en regarder 3 ou 4 qui vous paraissent potentiellement intéressant, et puis voir ce que vous voulez faire, ce sur quoi vous voulez mettre l'accent et quelles convictions vous posez, comme dit Catherine, par rapport à ça, et le label devrait suivre. Et je vois quelque chose d'intéressant qui est en train de se faire dans le chat, c'est que vous communiquez entre vous, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un niveau de complexité tel que je ne crois qu'en une chose, c'est vraiment la collaboration, la collégialité et partager. Parce qu'effectivement, engager RSE, il y a énormément de sujets. Vraiment, j'insiste sur le fait que sortons d'une vision institutionnelle de la RSE et allons sur une logique vraiment intuitive et adaptée à notre propre besoin. Il n'y a plus de vérité, il n'y a qu'une urgence aujourd'hui. Eh bien, écoute, on a déjà dépassé 3 minutes, Catherine. Je vous propose de conclure là-dessus. Je vous remercie tous d'avoir été présents jusqu'au bout à ce webinaire. N'hésitez pas donc à télécharger le baromètre que vous allez recevoir dans votre boîte mail, les slides que je pense vous pouvez récupérer maintenant, ou bien qu'on vous enverra également. Je ne suis pas tout à fait au clair sur ce sujet-là. Si besoin, n'hésitez pas à contacter les équipes Segos. Vous avez le numéro, le site, pour prendre un peu plus d'informations sur ce qu'on vous propose. Merci à toutes les deux, Anne, Catherine, merci pour beaucoup. Avoir co-animé. Un plaisir. Et encore merci à vous tous et bonne implémentation de votre RSE au sein de votre entreprise.